Oh, you feelin' sturdy, huh? Feelin' sturdy, baby. Shake it. Salut à tous, c'est Monsoir N54. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Genshin Impact. Je viens de le mettre pour voir ça ressemble à quoi. Ça avait l'air d'être quand même... Ça a quand même l'air d'être fraîche. Du coup, je vais essayer. Si le jeu est pas mal, on va continuer. Si j'aime pas, bon, je sais pas si on va arrêter là, mais on va commencer. Je sais même pas s'il y a déjà des trucs. Bah ouais, il y a déjà des trucs à télécharger. Je me disais, le jeu il fait 109 MO. Je me disais, il y a des trucs à télécharger. C'est quoi? 8 giga? Ouais, je pense qu'on va se retrouver après le téléchargement. Je pense que c'est fini là. Ah, enfin, c'est fini. Après plusieurs chargements là. Après genre 50 minutes. Faut avoir une bonne connexion. Déjà, ma connexion est quand même bonne. Si vous avez une mauvaise connexion là, ça va être long. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path on dirait un peu Zelda. Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Wow. Si votre téléphone n'est pas puissant là, genre ça fait juste faire bug votre téléphone. Sélectionnez un des jumeaux. On va prendre qui? On prend la fille ou le gars? La fille, c'est une fille ou un gars? Je sais pas pour de vrai. Elle va mettre quoi? Mettre ça. Just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Wow, elle a volé. Elle a kidnappé la sœur au gars. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Yo, les graphiques, on dirait un peu Fortnite, genre de loin. Genre là-bas. Genre les roches et tout. Quand même, les graphiques sont bons. Zoomer. Là, je vais laisser comme ça. Bouger le joystick. Ça, c'est quoi ça? Toucher une fois pour esquiver maintenant. Ok. Toucher pour sauter. Ok. Ensuite, faut que je suive le truc là-bas là. Ok, ça c'est ma... Ah, je pense que je dois boîte cette affaire là.
À l'approche de nouveaux points de téléportation, toucher, je sais pas quoi. Ouvrez la carte du monde par le biais de la mini-carte en haut à gauche de votre écran. Sélectionnez un point de téléportation pour vous téléporter à l'endroit désiré. Je dois me téléporter là. Statue des 7. Vallée, tombe, étoile, monde, stade, à monde, stade. Une des nombreuses statues en pierre veillant sur tout, Teyvat, qui ont été modelées à l'effigie des 7 divinités du continent. Les voyageurs prient généralement pour leur protection devant ces statues qui attendent en silence qu'une âme noble se montre un jour. Interagir avec la statue des 7 pour activer sa téléportation. Faut pas aller là? Suivez l'indicateur sur la mini-carte pour arriver à destination. Touchez pour ouvrir la carte. Ok, la statue est genre là-bas. Les graphiques sont beaux. Attends, mais c'est où paramètre? Attribut, âme, ce cadeau. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the 7. Which of the 7 are you looking for exactly? I don't know, bro. Oh. Mais pourquoi elle grimpe, c'est pour voler. C'est quoi son but? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Oh, il y a des trucs à terre. Pomme. Oh, on va prendre des pommes. Je sais pas si ça va servir à quoi. Ça peut servir, je sais pas. Oh, je peux prendre un papillon. You. Il est passé où? Oh, un papillon. C'est-à-dire la petite bête là qui était à terre là, on pouvait le prendre? Je sais pas trop c'était quoi, mais. C'est quoi ça? Oh, wow! De la motte. God, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. As we all know, poetry and language flow like the wind. Sont en mer? Est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on peut sauter? Je sais pas si je saute. Non, on va pas faire. À finir par le faire un jour, je pense. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it.
Ok, c'est là-bas la statue, je pense. C'était quoi ça? On peut prendre ça, non? Mais viens. Oh, est-ce qu'on peut nager? Tu peux nager jusqu'à moi. Arrivé. Ok. C'est la carte. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Personne ici ne serait capable de tenir ce genre de pouvoir aussi facilement. Je crois que c'est parce que ça ne se passe. Personne ici ne serait capable de tenir ce genre de pouvoir aussi facilement. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. C'est ça qu'il fallait faire. Ok. Oh. On peut faire un double kill. Ils vont venir à l'infini. Ok, c'est bon. Non, non pas. Maintenir appuyé. Toucher pour libérer des chemins supplémentaires. These are the animal powers you got from the statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting power? Poulet marié, fleur sucrante. Ouais. Et il est où le truc? Il est parti. On prend des fleurs, c'est quoi ça? Bliscala, Blissera, Oh, ah, c'est quoi ça? C'est qui ça? Oh shit. Yeah.
Ok, c'est bon, j'ai eu le coffre. L'école est dans volaille. Oui, ils avaient de la volaille. C'est quoi ça? Pomme. On va tout prendre. Il n'y a rien d'autre. Ok. Je me demande, je joue avec combien de graphiques? Est-ce que ça, on peut prendre ça à faire là? Non. Oh, un village. C'est bon. C'est quoi ça? Masque endommagé. Coffre délicat. Fleur de l'aventure. Il y a des trucs dedans. Il y a un coffre derrière. Est-ce que ça je peux passer? Ok. Minerai. On va tout prendre. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien vers là. Est-ce qu'il y a des trucs vers dans ces affaires-là? Ah ouais. Ouais, il y a des trucs. Ok, si j'en trouve, je vais les casser. Il y a des pièces. Non, c'est des pommes de terre. Ok, on va continuer, je pense. On va prendre ça au passage, c'est quoi ça? Fleur sucrante. Je pense que tu peux faire de la nourriture avec. Brin de blé. Oh. En gros, ça saute tout seul, je pense, quand il y a des obstacles. Bois des murmures. Ok, on est arrivé. Ah, regarde un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Oh shit, c'est quoi cette affaire là? N'aie pas peur, je suis là, ne t'inquiète pas. Il parle à un dragon? Oh. Hey. Qui est là? Shit, c'est un dragon, ça c'est un jade. Wow. C'était moi, j'ai failli m'envoler. Heureusement que j'ai pu m'agripper à tes cheveux, merci. Mais t'étais même pas à côté de mes cheveux. Mais heureusement qu'ils sont toujours en place. Ouf, le dragon ne vous a pas remarqué. Ben oui, on nous a vu. Mais heureusement qu'ils sont toujours en place. J'ai cru qu'on allait se faire dévorer. Je suis sûr que c'est à cause de cette bouche qui parlait à un dragon. Je n'arrive pas à croire que les dragons existent dans ce monde. Mais il y a aussi des trucs, des petits lutins là qui volent là, je sais pas c'est quoi. C'est normal de parler à des dragons chez vous? Of course not. Bien sûr que non. Oh, what's that? Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc rouge qui brille sur le rocher par là-bas. Let's go take a closer look. Nous allons voir ce que c'est. Be careful, Paimon doesn't have a good feeling about this. J'ai un mauvais pressentiment. Vas-y, grimpe. C'est grimpé, non? C'est quoi? Cristal écarlate.
Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Il faut aller où? Il est là-bas. Est-ce qu'il est parti? Oh, papillons. On va prendre des papillons. Je sais pas si ça va servir à quoi. Moi, on prend. Je sais pas si c'est un maximum de trucs qu'on peut prendre. Hey, you! Stop right there! Pas si vite. May the Animo God protect you, stranger. Que Barbatos te protège, étranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. C'est ce que les gens suspectent disent toujours. Doesn't sound like a local name to me. Quel étrange, mon nom est bien beau. And this mascot, what's the deal with it? C'est mon ami, c'est mon casse-croûte en cas d'urgence. Vas-y. I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. A été aperçu dans les environs de Mondstadt. Pour votre sécurité, vous feriez mieux de gagner la cité la plus vite que possible. It's not far from here. I'll escort you there. Pas très loin d'ici, je vais vous accompagner. Oh, aren't you out here for some other reason? Autre chose à faire? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Tu n'as pas l'air de nous faire confiance. C'est pas très gentil de dire ça. I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies. Strange yet respectable traveler. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Ça charge les embrouilles. Obtention de nouveaux personnages. Amber. Amber est une archère hors pair. Vous pouvez compter sur son talent pour combattre des ennemis à distance. Touchez son portail pour la déployer. Touchez-vous pour entrer en mode visé. Appuyez et glissez vos doigts dans la direction choisie pour viser. C'est donc sur cet animo blob en l'air. Quoi, ça l'a pas eu? Bon, j'avais pas vu que l'enregistrement s'était coupé. On est là. Bon, j'ai pas vraiment avancé, genre. À part de ça, avec elle, moi, c'est quand ça a coupé, genre. Je pense que c'était quand. J'ai regardé, c'était quand on essayait là, de faire ça, là, avec la flèche. On était juste allé à un endroit, là. Je sais plus. Genre c'était en haut, on était allé à un endroit, après ça il y avait des gens à battre, c'est tout. Ah ça j'ai changé, là j'ai pris lui. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de vie. J'ai sauté depuis en haut pour voir si on pouvait voler, mais on peut pas voler. Du coup j'ai perdu la vie, mais on n'est pas mort. Je pensais que j'allais mourir genre de cette hauteur là, mais on n'est pas mort. Bon ben c'est pas grave, de toute façon on n'a pas vraiment avancé dans l'histoire. Genre vite fait là, c'était juste une cinématique, c'était tout. Disons on va continuer. Faut aller là-bas. Une chance j'ai vu ça. Du coup après je sais pas comment. Oh my god, les trucs qui spawnent sur toi là. Champignons, vas-y on continue. Est-ce que ces trucs là ils donnent des trucs? Attends. Oh, ça brûle. Est-ce qu'il donne des trucs, hein? Imagine. Il y a des pigeons. C'est des pigeons?
Timmy. Qu'est-ce qui se passe, Timmy? Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Vous faites fuir les pigeons. Je ne peux rien y faire. Ils reviendront. Au revoir. Ils reviennent d'habitude, en effet. Mais s'ils ne reviennent jamais. Comme papa. Oh. Ok. Bye. Bye. Juste bye. Il y a l'eau. T'inquiète, son père est allé au dépanneur et puis... Il est au dépanneur. Est-ce qu'on peut parler avec eux? Lawrence. Bienvenue à mon stade. Comment puis-je vous aider? Parlez-moi de mon stade. Non, non, non. Si vous voulez lire, vous lirez. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Racontez-moi une légende sur mon stade, racontez-moi une anecdote. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Des rumeurs courent à mon stade sur un justicier de la nuit, mais nul ne connaît son identité. Je ne devrais pas parler de lui, sinon je vais y aller à la journée, si jamais la vie me laisse mon temps. Désolé, je vous en reparlerai une prochaine fois. Et puis... Welcome to Mondstadt. Welcome, Swan. Bonjour les chiens. Qui êtes-vous? Je suis Swan, chevalier de l'ordre des Favonius, chargé de monter la garde. Je rends aussi divers services prescrits dans le code de l'homme. Le code, hein? Vous connaissez les Favonius? Terminé le code de l'homme. Ok. Ok. Oh, ça va. Oh, c'est quoi ce bug? What the fuck? Ah. Oh, il y a un gros bug. Oh, on n'a même pas vu toute la cinématique. Let me officially introduce the city of Wind, Dandelions, and Freedom. Je sais pas si c'est un bug du jeu, bien, je sais pas. Nous voilà enfin arrivés sur à la cité du vent, des pissenlits de la Libra. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. T'as mal l'air d'être sacrément plus mais j'espère que c'est quelque chose. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hillitrol camp. Ah ouais, parce que tout à l'heure je l'ai aidé. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast. Come with me. We'll head to the city's high ground. Touché pour ouvrir le menu des quêtes. Ok, j'ai des quêtes maintenant. Touchez le bouton afficher la destination sur une quête. Suivre. Je veux poursuivre la quête. J'ai un valandre indiqué par un beurre. Ok, il faut aller là-bas. Un jour. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen.
Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Anna, Margaret. Est-ce qu'on peut grimper les murs? Peut-être qu'il va sur le mur. Ouais. Non, on prend pas les escaliers, nous, on dirait. Si on saute. Oh. Ça va plus vite. On va essayer d'aller tout en haut. Oh. Faut monter tout en haut. Bon, je pense que je continue ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, il fait quasi 30 minutes. Là, il fait plus de 30 minutes. Du coup, bon, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, likez cette vidéo, commentez si vous aimez ce jeu-là. Les graphiques et tout. Les graphiques sont quand même beaux. L'histoire, on va continuer. L'histoire, une prochaine fois, on va la continuer. Moi c'est ça, c'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à tout à l'heure, ciao.